On doit parler. Bonjour tout le monde, c'est Apple Station. Ah non mais vraiment. Dans cette journée de vacances magnifique, j'ai décidé de vous faire un story time pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée à l'école obligatoire, parce que pourquoi pas. Ah oui, d'ailleurs la France a gagné la Coupe du Monde, donc du coup je vais refaire une vidéo, ne dites pas ça à Siri. Et c'est pour rien savoir Minecraft. Ah putain. Ça sera pour plus tard. Bref, du coup, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais vous raconter une histoire qui était plutôt croustillante, qui m'est arrivée à l'école obligatoire, mais on va commencer par le commencement. Je sais pas si vous avez la même chose, vous, mais nous on a ce qu'on appelle des camps de ski à nos écoles obligatoires. Des camps de ski, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que pendant une semaine, ou... enfin, ouais, c'était une semaine. Pendant une semaine, on allait, bah, skier dans une région où il neigeait. Et puis, bah, on était dans un camp, quoi. Donc, on dormait là-bas tous les jours de la semaine. On restait du lundi au vendredi. Et puis, le jeudi, il y avait tout le temps la soirée spéciale qu'on appelait ça la boum. Cette soirée, c'était la soirée qu'on attendait tous. Parce que, bien sûr, c'était celle où on allait pouvoir danser, chanter, s'amuser, manger. Et bref, c'était la meilleure soirée. C'était d'ailleurs, du coup, le dernier soir, vu que le vendredi, on rentrait chez nous. Attends, tu sais c'est en quelle année ça? Non, vas-y, 5 ans. Ok, bon, on va dire à peu près il y a 4 ans, si je me trompe, mes potes me le diront par message privé. À peu près il y a 4 ans, donc... C'est pas comme si je pouvais te le dire, mais c'est pas grave. On a besoin de sources sûres. Donc, il y a environ 4 ans, on était tranquillement partis pour un magnifique camp de ski. Le lundi se déroule comme prévu, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, du coup, on s'est dit que, bref, enfin non, on s'arrête du tout. Et tout à coup, le jeudi arrive, et qui dit jeudi, dit spill de tea. Donc, tout se déroule comme prévu, on met la musique, je me rappelle, c'était très cool. C'était très cool, on a pu danser avec tout plein de personnes. Et puis, bien sûr, il y avait un petit plateau avec des boissons. Vous me connaissez, les boissons, la nourriture, c'est ma vie. Et puis, ah aussi, je vais dire, je vais appeler ça des carafes. Vous allez m'excuser pour les personnes qui n'appellent pas ça des carafes, mais des carafes, en gros, des cruches. Bref, l'endroit où on met de l'eau. Et puis, bah, du coup, il y avait un endroit avec un petit coin avec, bien sûr, de la bouffe. Donc, bien sûr que j'allais y aller. Et puis, en l'occurrence, il y avait aussi, genre, 3 ou 4 carafes d'eau. Non. Donc, je n'avais pas 3 ou 4 carafes d'eau, j'ai dû t'expliquer, parce que là... Alors, en fait, si vous voulez, il y avait donc plusieurs carafes d'eau, tranquillou bilou. Et puis, avec des potes, bah, du coup, bah, on avait soif, donc on a pris de l'eau. De l'eau qui, a priori, n'était pas forcément de l'eau. Parce que, bah, tranquillement, attends, parce que c'est toi t'en avais goûté. Oui. Alors, en fait, j'ai goûté cette eau, et cette eau, ça avait pas le goût d'eau, en fait, c'est vraiment un goût très fort. Je savais pas le goût d'alcool, du coup, moi, je me disais, mais pourquoi c'est aussi fort et tout. Puis, en fait, personne ne savait vraiment quel goût ça avait. Bon, normal, on avait 10 ans. Et après, je sais plus qui allait vers le prof. Et mmh. Attends, faut lui donner un nom. Gérard. Après, on allait vers Gérard. Et après, on lui a dit. Mais écoutez, Gérard, ça n'a pas un goût d'eau. Side note, un truc à savoir, c'est qu'il était donc interdit, bien entendu, de prendre de l'alcool pour nous, mais aussi pour les profs, aussi pour Gérard, du coup. Donc, notre cher Gérard, il prend la carafe, là. Il prend la carafe, il prend un verre, il met dans son verre, il boit, il est là. Non, c'est du sirop. Non, c'est du sirop. Du sirop à l'alcool. Mais vous le prenez pour qui? Je sais qu'on avait 10 ans et on n'est pas dumb non plus. Bien évidemment, c'était pas du sirop. Et la preuve, c'est que 2 minutes après, on se retourne. Devinez qu'est-ce qu'il fait Gérard? Gérard, il ouvre la fenêtre, il prend la carafe. Il la jette. Alors qu'à la base, il nous avait dit non, c'est du sirop. C'est du sirop. Après, il a reposé. Après, il s'est dit ouais, on va laisser aller danser, tout faire leurs petites affaires. Et après, nous discrètement, on va changer ça. À quel moment, si c'est du sirop et que t'as rien à te reprocher, tu le prends et tu le jettes par la fenêtre? Bref, après, ça devient un peu messy. Ça a fait un peu un scandale parce que tout le monde était là en mode. Enfin, mais what? On était genre 5 qui avaient remarqué. Oui, mais la rumeur s'est vite répandue. Bref, je rappelle, il y avait même des gens qui faisaient semblant d'être bourrés. Bref, sinon le reste de la journée s'est très bien passé. De la soirée, merci. Voilà, une soirée comme toutes les autres soirées il y a 5 ans. Tout le monde s'ambiançait trop. Oui. Il y avait les filles d'un côté et les garçons d'un côté. Après, ils ont changé la carafe et je sais pas si c'est pour s'excuser ou je sais pas, mais après il y avait plein de bonbons. Ah oui! C'était pour changer le goût dans la bouche. Théorie du complot. Je crois que j'ai rien.
écouter ça. Non, question. By the way, le... bon, ça n'a rien à voir avec vraiment le story time lui-même. Mais le soir même, je vous rappelle, quand tout le monde allait dormir tranquillement, vous voyez, bah nous on était censé se coucher pas trop tard, vous voyez, genre vers minuit, je sais pas, quelque chose comme ça. Tout le monde dormait. Justement, moi je me réveille tranquillement vers 2h du matin pour aller aux toilettes. Je me réveille et qu'est-ce que j'entends par la porte de mes chers camarades? Il y avait une chambre où il y avait tout plein de gens qui étaient tout simplement en train de parler tranquillement au milieu de la nuit à 2h du matin. Sachant que c'était interdit et qu'on était tous censés dormir, moi je suis arrivé et j'ai toqué vers la porte. Parce qu'il faut savoir que Gérard faisait peur à tout le monde. Oui, Gérard il passait dans les couloirs comme ça. Et puis justement, genre je toque et là, silence complet. Tout le monde a cru que c'était Gérard, ils ont tous flippé, c'était trop drôle. Et ensuite, bah, je suis rentré dans ma chambre et tranquillement, le reste de la soirée s'est poursuivi. Et la fois où on a pris des lumières, on a fait mi disco de aussi. Ce sera pour un autre story time. Donc. Bref, si vous voulez voir d'autres vidéos, parce que là on est en vacances avec Mehdi, donc on peut vous faire d'autres vidéos ensemble. Dites-le-nous, by the way, on a sorti un lookbook, oui, sur la chaîne de Mehdi. Donc allez voir ça en cliquant juste ici. Et puis moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous à ma chaîne, on met 1000 likes en bas si c'est possible, ça serait trop cool. Partez pas s'il vous plaît, abonnez-vous à mon compte Instagram, parce que je vais bientôt réaliser les concours donc. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Commentez, abonnez-vous à ma chaîne, vous connaissez allez, la routine. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao.